Pour les géants du web, ce sont des informations extrêmement précieuses et convoitées. Les données bancaires vont-elles rester privées encore longtemps ? Selon le Wall Street Journal, Facebook a ces derniers mois approché plusieurs banques américaines dans le plus grand secret. Objectif ? Récupérer certaines des données bancaires de leurs clients, comme le détail des transactions effectuées par carte bancaire et les soldes de leurs comptes courants. En échange, Facebook aurait proposé aux banques des espaces publicitaires sur sa messagerie en ligne, Messenger. L'une des plus grandes banques américaines, JP Morgan, confirme avoir été contactée. Elle dit avoir mis fin aux négociations. Nous ne partageons pas les données des transactions effectuées par nos clients et avons par conséquent rejeté certaines propositions. Les autres banques, elles, n'ont pas souhaité s'exprimer. Pourquoi Facebook s'intéresse-t-il à ces données, selon un responsable de l'entreprise, pour proposer de nouveaux services aux abonnés, notamment gérer son compte en banque directement via la messagerie de Facebook. Selon la CNIL, de telles pratiques seraient totalement impossibles en France, où les banques sont soumises au secret bancaire. En cherchant à récupérer encore plus de données, Facebook risque d'affronter une nouvelle polémique. En avril, son PDG a déjà reconnu des failles dans la protection des informations fournies par les utilisateurs.